L'achat des béliers constitue un réel investissement d'élevage. En choisissant des béliers de sélection, l'éleveur dispose de garanties à la fois génétiques et sanitaires. Ces garanties se retrouvent dès la première génération d'agneaux produits. Nous avons engraissé en bergerie simultanément 500 agneaux qui descendaient soit des 10 meilleurs béliers de la station Mouton Vendéen, soit des 9 béliers les moins prometteurs de la station. Les agneaux issus des meilleurs pairs ont des croissances nettement supérieures. Ils atteignent le poids qui signe leur départ à l'abattoir en moyenne 8 jours plus tôt que ceux issus des pairs au moindre potentiel, soit 121 jours contre 129 respectivement. Les agneaux des meilleurs béliers sont également nettement moins gras, que ce soit au niveau dorsal ou sur les rognons. Et même s'ils ont consommé 100 g de concentré en plus par jour, cet écart a été largement compensé par une durée d'engraissement plus courte. Finalement, à poids de carcasse égal, ces agneaux ont consommé 6,4 kg de concentré par agneau en moins et 4,5 kg de paille en moins par agneau sur la durée d'engraissement. Ces différences se retrouvent également au niveau économique. Les agneaux issus des meilleurs béliers dégagent 3,20 à 3,60 € de solde sur coût alimentaire supplémentaire par agneau engraissé. Pour 300 agneaux dans ce type de finition bergerie, cela équivaut à 1 000 € de solde sur coût alimentaire en plus. Le gain économique est nettement en faveur des béliers au meilleur potentiel génétique. Dans ce système de finition en bergerie, les agneaux issus des meilleurs béliers ont également un impact environnemental plus faible, grâce à leur meilleure performance technique d'engraissement. Engraisser les agneaux de meilleur niveau génétique réduit les émissions de gaz à effet de serre de 12%, les consommations d'énergie de 8% et l'impact sur la qualité de l'air de 10%. La sélection génétique reste donc un sérieux levier d'amélioration des performances d'élevage, que ce soit d'un point de vue technique, économique et environnemental. D'ailleurs, les différences auraient été d'autant plus importantes si l'on avait comparé les meilleurs béliers de sélection avec des béliers tout venant. Pour acheter ces béliers au meilleur potentiel génétique, fournissez-vous auprès des élevages de sélection adhérents aux organismes de sélection ou dans vos centres d'insémination.